on s'en fout, on y va sans intro. Putain, mais maintenant j'ai perdu ma voiture de la mort qui tue. Donc, bonsoir tout le monde. Salut. On se retrouve sur GTA 4 pour une vidéo. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait, près de 3 semaines. Hein. J'avais... Ah bon ? Ouais, facile. Ah ouais, ouais, ouais. Parce qu'on est des gros glandeurs, vous savez. Ouais, voilà, c'est ça. On fait que dormir toute la journée, quand on est debout, on se dit... Non, mais c'est qu'entre temps, on a découvert des jeux, Guild Wars, en quelque sorte. Et on y a joué comme des fous, on n'a pas pensé à GTA, donc voilà. Je viens de te voir passer. Comme des fous, tu es le seul à avoir joué comme un fou. Moi, entre le boulot et... Bah ouais, puisque j'avais pas mal de boulot, comme quoi, j'étais crevé parce que... On a fait des heures... Pas mal, hein, pas mal d'heures, et puis voilà. Donc fallait que je récupère un petit peu, et puis j'avais pas l'esprit tout le temps à jouer et à filmer, donc voilà. Vous comprenez, j'espère vous comprenez, bah sinon allez vous faire foutre. Voilà. Bah si vous voulez, je peux vous aider, je vous fournis la knack. Elle m'a cassé dans le truc. Bien sûr, c'est de l'humour, hein. Ah putain. On est pas mal, hein. Vous le connaissez bien à force. Et puis dans peu de temps on va faire seulement une annonce sur une autre chaîne. On a un projet en tête, voilà c'est tout, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, c'est vrai. Ça va faire un an qu'on a ce projet. On a jamais... Je parle pas de celui-là. Je parle d'abord, on va commencer sur une autre chaîne multigaming encore. Ouais, mais genre là on donc là, là, c'est, là c'était juste pour commencer, pour voir, pour se mettre dans le bain quoi. Un peu tranquille. Là, les vidéos qu'on fait, c'est plus de l'entraînement. Voilà. Genre... C'est pour s'y préparer ouais, voilà, mentalement, ouais. Quoi. On va dire ça. Hein. Je sais pas comment dire ça. T'es parti où, là? Ok. Oui. GG. Merci. Ah, bien sûr, par rapport à d'autres youtubeurs, on a remarqué que que certains faisaient... Se faisait rire par le rire. On va pas faire ça. Hein. Le rire par le rire, c'est nul ça. Ouais. Par exemple, pour ceux qui comprennent pas cette expression, c'est on dit quelque chose qui est pas forcément drôle, on rigole pour que les gens rigolent, parce que le rire c'est contagieux. Et voilà, c'est tout. Moi avec mes blagues de merde, ça va pas aller. Bon, j'arrive pas à te débloquer là, attends. Bon, pas grave. Non, non. Je sors, on me renverse. Oh. Merci de me l'avoir bloqué. Donc voilà. On va faire une annonce, bien sûr, pour la chaîne multigaming, mais pour cela, il nous faut encore un peu de jeu, quoi. Ouais. Il nous faut surtout encore un peu de temps pour pouvoir écrire, parce qu'on... On tient pas à tout bâcler, quoi. On cherche un peu de jeux. Dès le principe de la chaîne multigaming, déjà, ça sera des jeux variés, parce que là, il n'y a que du GTA 4, presque. Et... Surtout qu'on aura, nous deux, accès à la chaîne. En gros, on aura, nous deux, les mots de passe, tout ça, on pourra poster, nous deux, nos vidéos. Et, etc, etc. Donc, ça fera plus de vidéos. Et voilà. Pas forcément. Bah, si, quand même. Pour ta part, oui, mais moi, je suis pas tout le temps là non plus. Hein. Quand je suis là, c'est quand tu es là aussi. Hein. À part quand tu dors. Ouais. Mais bon, on fait rarement des vidéos solo. C'est mais bon, on pourra en faire, quoi, parce que certains jeux, c'est vrai que le solo... Bon, en même temps, sur Skyrim, c'est chaud de faire une vidéo en multi, quoi. Bon, déjà pour commencer, moi je ferai même pas de vidéo Skyrim. Hein. Moi non plus. Moi j'aime pas ce jeu. Moi non plus. Enfin, l'histoire, je l'ai déjà dit plein de fois, l'histoire elle est bien, mais. Je sais pas, le jeu, je sais pas, j'aime pas. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Je sais pas, l'histoire elle m'entraîne pas beaucoup. Pour moi, pour ma part, elle m'entraîne pas beaucoup, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que j'ai jamais pris le temps de vraiment regarder. Parce que déjà, rien que dès le début, aller je sais pas où, à en courir jusque là-bas. Ça aurait déjà pété les burnes, je vous le dis tout de suite. Hein, Donc voilà, et surtout que même ici c'est encore plus beau que Skyrim, alors imaginez-vous. Ouais, j'avoue que les graphismes ici ils sont mieux que Skyrim quoi.
Après, oui, certains disent on peut mettre des ENB sur Skyrim, modifier les graphismes, Ouais. mais je suis Mais après désolé, ça perd toute sa valeur. c'est pas ça, c'est que je suis désolé, c'est comme sur tous les jeux, les ENB c'est juste un. Ils boostent les contrastes, ça devient super moche. Ils rajoutent, ouais, des petites textures, mais bon, voilà, rien de plus, hein, et pour ça. Ouais, surtout ça deviendra encore un peu plus moche parfois. Faudrait un meilleur. Encore? Si ça serait un truc qui modifie tout le moteur du jeu, mais pas seulement les graphismes, tout la totalité, genre rien que quand on fait un sort de destruction, je sais pas quoi là, que les par exemple les flammes restent sur les arbres, restent au sol, tout ça, Oh, fais ça gaffe, serait tu vas te prendre un non non bypass. non non je l'ai vu, je Même l'ai pas. vu, ça serait carrément mieux. Oh! Alors que là, on fait le C'est pas sort, le, on évident. fait un des sorts les plus puissants du jeu, et ça fait quoi? Ça fait un vieil effet sur le décor qui dure 2 secondes. C'est ce qu'il y avait sur PS2, quoi. C'est des foutages de gueule. Ou sur Xbox, hein. Moi, je dis PS2 parce que j'ai plus joué à la PS2 qu'à la Xbox. Mais à vrai dire, maintenant, les consoles, voilà. Moi, je suis pressé de voir la config de la prochaine 720. Xbox, ouais. Parce que si la PS4, c'est vrai ce qu'ils ont dit là, la Xbox doit obligatoirement faire mieux, ouais, pour la concurrence. Et ça risque d'être chaud. Et déjà, la config, si elle est vraie, la console, bah, elle va coûter, hein. Si tout ce qu'ils ont dit, ils le mettent. Ça va plus être une console de salon accessible à tout le monde. Ça va être une console de salon pour les riches ou ceux Bah qui ouais, veulent faire mais des salles d'arcade. déjà s'ils mettent le lecteur Blu-ray, ce qui serait indispensable vu que c'était sur la Play 3. Ça coûte Et 100 euros. mais ouais, mais même et tout ce qu'ils mettent, enfin avec la carte graphique, les 16 Go de RAM et tout. Ouais. Ça sera pas 600 euros la console, je pense. Ça sera bien plus. Ouais, 1000 euros. Non, peut-être pas 1000, mais je sais pas, 700, 800. Je dirais plutôt 800 alors. Bah ouais, parce que la carte graphique, elle coûte déjà 200, facile. Après le processeur 8 coeurs, je crois, de chez AMD, bon lui, il est complètement moisi, hein, faut se le dire. AMD, qu'est-ce que je raconte? Athlon, non? Je sais pas. Je sais plus. M'en fous Si, complètement. oui. Si, c'est AMD, je sais plus. C'est AMD que tu m'avais dit. Oh, j'en ai aucune idée. Mais tu m'as dit c'était un ancien. Non, mais de toute façon, les autres processeurs que Intel, faut pas se faire chier, quoi, c'est pourri. Ils ont peut-être 8 coeurs, mais je sais qu'ils ont seulement 1,6 GHz. C'est qui Sunrise? Je sais pas. Mais en tout cas, ils désirent jouer. Ouais, toi aussi, hein. Bon, l'accepte pas, t'en fous. Putain de retour à la con. Ah, tu vas être déco. Mais non. Ah, GG. Ouais, donc le processeur 8 coeurs, mais qui est cadencé, je crois que c'est ça le mot d'ailleurs, à seulement 1,4 ou 1,5 GHz. Ah, voilà quoi. Moi j'ai peut-être que 4 coeurs sur mon i7, mais je suis cadencé à 3,5 GHz. Ah, je le mets, moi. Il y a une grande différence. Ouais, mais après, pour les jeux, il faut pas souvent énormément. Hein. Ce qui est Bah, conseillé, le c'est prendre processeur. max de. Oh putain, il y a des bonnes chips. Bah le processeur quand même il demande. Car si t'as la dernière carte graphique, genre je sais pas moi, Oh! On revient la là. 7970 ou une GTX 600, je sais plus quoi là, et que t'as un processeur tout pourri style Intel Dual Core, je sais pas quoi, ton jeu il tournera pas à plus de 10 FPS, hein, faut pas. Oui, donc pour en revenir à nos moutons. Ou nos vaches. Ouais, bon, si ça serait vache, déjà on saurait pas si ça serait de la vache ou du cheval. Fin du. Oups! Et une marque, une. On va se faire. Allez, on va biper tout ça. Ouais, je sais pas. Eux-mêmes, ils en ont ri alors. Avec leur pub. On Chez est très à cheval Findus, sur la nous sommes qualité. très à cheval sur la provenance et la qualité de nos produits. Ouais, mais bon, ils devraient bien en rire un petit coup parce que Mais voilà. honnêtement, ils ont géré. Faut rire un petit peu, quoi. Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est les C'est gens. arrivé, C'est voilà, les c'est gens. vrai. Ah, on a mangé du cheval. Et alors, le cheval, c'est un produit de luxe. Voilà.
bête par rapport à de la vache, c'est encore plus cher. Du bœuf. On s'en fout. Le cheval, la c'est vache, un produit de luxe. Tout ça pour une paire de couilles. Ouais, skatepark. Ah ouais, tu te souviens? Bien sûr. Mais ça marche pas avec les voitures. Ah si, ça marche bien avec les voitures. Ouais. Eh merde. Déjà? Ah GG. Tout ça, je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Et on saute, ouais. Oh. Oh oh. 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 Putain, mais t'es un bon, toi, tu te retournes direct. Et tu crois que ça se verra, les températures, sur la vidéo? Je sais pas. Je sais pas, on va voir ça. Oh, je suis à 67. Je vais activer les ventilos, moi. En tout cas, pour ceux qui se demandent ce que c'est, bah, c'est les températures de mon PC. Le GPU, c'est la carte graphique, et les cores, bah, c'est le processeur. Qui est un peu haut, là. 47 degrés, c'est pas mal. Mais le GPU, c'est tout simplement les temps par minute. Oh, le gros coup de lag qu'il y a eu là, attends. Regarde. Vas-y, reparle. What the... Ah, c'est bon. Ah, ah. Oh, je faisais du coffre, mec. Imagine-toi, je tenais les yeux sur le coffre pendant une dizaine de secondes. Pendant que t'étais en haut. Oh, y'a des mecs. Je vais les écraser. Ouais, oh là 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 là, ce saut. La voiture elle pète. What the... Eh merde. Par contre ça me fait chier là parce qu'il y avait... Oui. J'ai encore oublié son nom. Electro quelque chose je crois. Je suis pas sûr. Électromagnétique. Non 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 non. C'est un gars il m'avait MP sur YouTube. Non non d'abord c'est des commentaires. Après je lui ai dit que si un jour il voulait jouer il pouvait venir tout ça. Et au début, il jouait sur une version craquée. Et je lui ai dit qu'il pourra pas jouer avec nous parce qu'on a acheté le jeu, donc il l'a acheté et finalement il le tient même pas quoi. Donc voilà, ça fait un peu chier. Mais bon. Donc si quelqu'un veut venir jouer avec nous un jour, il vous faut une version officielle. Parce que nous, on est des personnes légales. Et merde. Ah non. Ah non. Moi je prends la Mustang GT là. Elle est belle cette voiture, j'aime bien. Celle-là elle est belle, c'est pas la Dux. La Dux, ouais. Oh putain, en plus elle est puissante et tout. Elle est belle cette voiture, j'aime bien. Robuste, belle, tout ce qu'il y a de meilleur. Oui, donc je disais pour en revenir à nos bœufs. Comme tu le souhaites. La chaîne multigaming sera basée bien sûr sur du multijoueur. Et attends. Multigaming. Ah, quoi encore? C'est quoi déjà? C'est le taureau quand il est castré, ça devient un bœuf, c'est ça? Ah bon? Je sais plus. Il y a une histoire comme ça, je crois. Ouais, je suis même pas sûr. Si tu veux, mais bon, un taureau et un bœuf, c'est pas la même chose parce que les cornes sont différentes et tout simplement. Oui. Oui, oui non, je m'en fous. Vas-y, vas-y. La chaîne multigaming, ouais. Et donc, sera basé sur du multijoueur, bien sûr, parce qu'on préfère jouer en deux. Hein, que plus on est, plus on rit. Voilà. Mais, peut-être sur certains jeux, on jouera solo, mais on va dire, on a déjà une idée sur un jeu, si tu te rappelles bien, de la chasse. Ouais. Ce jeu. Mm-hmm. Et celui-ci sera basé, en fait, sur un mini-concours en solo, mais vous verrez de toute façon... En écran scindé. Voilà, on va... De toute façon, sur toutes les vidéos, seront scindées et vous pourrez choisir quel écran voir. Ce qui est intéressant pour vous, parce que si vous voulez voir les deux comme ça pour mettre un jugement au lieu que de regarder deux vidéos et de perdre votre temps pour regarder deux fois la même chose, à quelques détails près, vous pouvez voir certaines autres réactions ou des trucs comme ça, quoi. C'est tout. Et c'est un concept qu'on veut mettre juste un peu en avant. Je sais pas si c'est nous ou on est les premiers à faire ça, mais à vrai dire, on s'en fout. Non, je sais que c'est connu, très connu pour Minecraft. Qu'on plagie des gens ou non, à vrai dire, allez vous faire foutre, quoi. Nous, on fait ça parce que nous, on aime ça.
Mais on va en aucun cas plagier des gens, enfin c'est pas notre intention. Voilà. Raté. Donc nous, enfin c'est comme les vidéos de GTA, on n'est pas les premiers à le faire. Oh! Alors on n'est pas les premiers, c'est tout. En même temps, c'est un jeu qui est sorti en 2000, je sais pas, 2008 peut-être. 2008, ouais. Il est super vieux ce jeu. Et si on serait les premiers, ça serait grave. Et graphiquement, il est encore un des meilleurs. Hein. Graphiquement, ouais. Mais niveau optimisation aussi, il est complètement pourri. Ouais, mais ils peuvent pas tout faire. Ils ont mis tout dans le graphisme. Voilà. Ah oui, c'était quoi? Alors, sur GTA V, il y aura des pouvoirs, je sais pas quoi. En gros, là, par exemple, imagine-toi. Moi, je suis sceptique. Tu appuies sur une touche. Et là, en tournant, par exemple, tu peux ralentir le temps de... Comme faire un effet ralenti, quoi. Ouais, c'était comme dans... Dans Vice City, il y avait ça aussi je crois. Oh, j'en sais rien. Si, tu devais ramasser quelque chose, un truc bleu, je crois. Fallait que tu le ramasses et ça ralentissait le temps ou ça l'accélérait ou des trucs comme ça, quoi. Je sais pas, j'ai jamais joué sur Vice City. Je Mais peux pas dans te le tous dire. les cas, dans tous les cas, ça m'a l'air nul. Car pour moi, GTA, ça reste... Il n'y a jamais eu de pouvoir et là, ils veulent en mettre... Ouais. Les pouvoirs, peut-être tout simplement sur le solo, qu'est-ce qu'on s'en fout? On va jouer sur du multi. Mais je sais pas. De toute façon, t'en auras pas accès. On pourra pas. Parce que c'est moi qui te le... Non mais je sais pas, avant de jouer en multi, je m'aventurais au solo moi. Ouais, enfin, sauf GTA 4, GTA 4, à peine je l'ai eu. Je suis pas sûr en multi. Ouais, moi aussi, en solo, je suis à la mission. J'ai juste fait la première. Pour pas que ça me saoule à chaque fois la nouvelle partie. Là, donc, je suis à la mission. En anglais, ça s'appelle Cousin Bellic. The Cousin Bellic, ou un truc comme ça. C'est la deuxième mission, je crois. Il y a la mission tuto d'entrée. Et après, il y a ça. Ouais, y a... c'est quand tu dois aller te rendre. Au garage. Ah, ça, ouais, son... non, c'est pas un garage. Hein, c'est son entreprise de taxi. Ouais, bon. Enfin, taxi mon cul. Plutôt de dealer. Bref. Quoi qu'il en soit. Donc oui, la chaîne sera basée de multigaming. Ouais, on a fait à peu près le tour. Bien sûr, après, on jouera un peu à Minecraft. Mais pas excessivement, parce qu'on a un plus gros projet qu'on dira pas plus. Voilà. On dira pas plus. Mais ce projet sera seulement débloqué à une certaine... Quand on verra qu'il y aura pas mal d'abonnés qui nous suivront, ouais, voilà. C'est-à-dire environ 2000 à 5000. On commence, on se dit ouais, on va commencer à tout doucement à le préparer et puis on voit que 2000, 5000, c'est déjà énorme. Bah justement, c'est pour ça. Le désir, je vais pas jouer pour l'instant. Disons le mieux, ça serait, je sais pas, déjà même 500, c'est bien. Ouais, 500, on pourrait se dire déjà, ah, on va déjà commencer, on a notre petite communauté. On va commencer à écrire déjà. Pardon. Ça remonte. C'est le c'est repas. Le dîner. Non, le dîner, oui. Pareil. Poli. Le souper. Mais bien sûr. En plus, c'est vrai. On dit ça. Donc, ouais. On commencera déjà à écrire certains trucs. Hein. De toute façon, on essaie de préparer à l'avance pour tout ce qui est sur la chaîne, vraiment. On fera des petits trucs de côté peut-être sur cette chaîne de Uni quoi. Pour peut-être s'entraîner, pour voir si ça plairait éventuellement. De toute façon après si ça plaît pas. Tant pis. Enfin hein, comme dit, il y en a pour tous les goûts, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà, bon, après s'il y a plus de 50% qui aiment pas. Bah qu'est-ce qu'il faut t'abonner Non. Bah non, ça veut dire tout simplement, on a mal choisi notre contenu, on a peut-être mal étudié, bah, je sais pas, quand on va créer la chaîne, ça sera une vague de vidéos. On va foutre plein de vidéos et on va voir lesquelles sont les plus appréciées, voilà. ça serait un peu... Bordel. Ouh, une femme. Non. Comment tu sais que c'est une femme? Je sais pas, elle avait des cheveux. Ça me paraissait... Oh oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pété une bouteille de gaz, ça m'amuse. Et donc, on en était où?
On en était à voir les abonnés, ouais, je sais pas quoi là. les contenus, ouais. Donc oui, bien sûr, après on essaiera, un moment, parce qu'on va essayer quand même de peut-être un peu gagner d'argent pour pouvoir faire vivre la communauté, les gens faire un peu des gens par exemple participer au Paris Games Week, des trucs comme ça, des trucs de fou. Ah, mais tu regardes un peu loin là. Oh, pas besoin de regarder très loin, à vrai dire. Quand je vois des youtubeurs qui ont environ 5000 abonnés C'est qui déjà diront. énorme, je te l'ai déjà dit, c'est Oui. énorme, 5000. Oui, c'est énorme. Bien sûr, chaque abonné, je les compte. Et chaque abonné est important à la communauté. Chacun apporte quelque chose. Et puis, à vrai dire, on dit pas non. Même s'il y en a un de plus, je vais jamais l'envoyer chier, quoi. C'est énorme. Je comprends rien là. À vrai dire, si on en a 5001, tu vas pas dire on en a 5000. Tu vas dire on a 5001. Ouais bah oui. Voilà. Mais sur les vidéos, par exemple, on va faire 5000. Tant pis pour l'autre, hein. On l'aimera aussi. Et voilà. On va dire, ouais, 5000 abonnés, c'est énorme déjà, c'est excellent. Et c'est pour ça, de toute façon, bon, moi je gagne de l'argent, pas énormément, je me fais exploiter. Ouais, toi tu te fais exploiter, toi. Tu travailles même les jours fériés et tout. Et puis, non, grâce à ça, on pourra peut-être un peu aller à des gens d'événements comme ça. Mais à vrai dire, on ne veut pas, avant un certain nombre d'abonnés, montrer notre visage. On veut rester inconnu jusqu'à un moment. Ça permettrait de. Un peu de. Comment dire ça? Un peu de piment dans. Bon. Oh, bah si. Bah, je suis désolé. Je suis sûr, rien qu'avec l'âge. Ils pourraient tous se tromper. On s'en fout de ton âge. Le tien aussi, mais chut, ne dis pas. Ouais. La quarantaine. C'est l'inverse. Non mais c'est simple, c'est l'inverse de ce que vous pensez, voilà, c'est tout. Voilà, et un jour, si vous retrouverez cette vidéo en regardant en arrière, dans le passé. Eh ben vous pourriez peut-être vous faire une image ou je sais pas. C'est carrément inversé, à moins que toi tu mues encore un petit coup. Tu deviens Wow. Rambo. Possible, hein, j'en sais rien. Tu t'imagines, tu deviens Rambo. Rambo. Ah! Moi je deviens comme ça. C'est ça. Pourquoi les drapeaux sont aux couleurs de l'Italie? Parce que c'est le quartier italien. Ah oui, j'avais même pas vu. Pizza, beer, pasta. Yeah. Cannelloni. C'est bon, ça les Ouais, donc tout tortellini. ça. C'est ce qui est écrit. C'est bon les tortées. Ouais, ça dépend lesquels. Les épinards. Food center. Frais. Ouais, donc on essaiera, hein. Jusqu'à peut-être, hop, on va dire. Hop, on va pas se fixer trop gros, 50 000. Ouais, bien sûr. Pour les 50 000 pour les visages. Ouais, t'es fou, Non, pour les quoi. pieds, pour les pieds. Pour les pieds. 50 000. Et après, 100 000 pour la poitrine. Oh, oh. Oh. Et peut-être à oh. Ah, GG. J'ai foncé dans une bouteille de gaz. Magnifique. Et pour 200 000. Et bah là on organise une fête avec plein de picons, bière, amer, pastis, Non! vodka. L'alcool est dangereux pour la santé, rappelons-le. Bon, ok. Avec du Avec jus de plein de pomme. chili. Avec plein de chili con carne et du jus de pomme. Du jus de pomme. Les deux mélangés Et ensemble. du champomy pour les plus fous. Si vous survivriez encore à ça. Surtout votre estomac, je sais pas comment vous avez fait. Parce que normalement, si vous agitez tout ça, ça va exploser. Et Poum. par derrière, j'ose même pas imaginer ce que ça va faire comme bruit. Oh, le renversi, le taxi t'a défoncé. Parce que je voulais pas que, que ça soit toi qui me défonce. Cours. Ouais, non, on essaiera de se faire quand même des objectifs assez farfelus et fous.
pour juste mettre un peu de piment, là, ça, ça pourrait être amusant, quoi. Et ouais. Puis donc, ouais, surtout nos visages, quoi, ce serait... Oh, oh putain, il y a des photos. Tu crames. Mais non, c'est qu'une impression. On fout, c'est pas encore tes pneus qui crament. C'est le Ghost Rider. Oh. Devine quoi? Boum. Ouais, ça va faire boum. Je sais. C'est pour ça que je me barre. Ça a fait boum. Mais je suis encore en vie. T'inquiète pas, il y a l'ambulance. Oh. Tu m'as presque bousillé là. Ouais, je m'en doute. Viens, emmène-moi. Attends, emmène-moi. Oups. Merde, c'est où maintenant? C'est la grue où on peut monter là. Oui. Vas-y, go. On va casser la voiture. Ça lague un peu là. Ouais, ça lague depuis avant. Je sais pas si c'est moi ou... Je pense que c'est moi. Oh, j'en sais rien. Ouais, donc... juste pour les têtes, ça serait marrant, c'est juste un peu épique. Bah bah, il est là, t'as vu? Ouais, bof, pas épique, épique, ça ouvrirait surtout... Non, on va le faire assez tôt, comme ça, ça va permettre de faire un autre style de vidéo. Le... Je sais plus comment on appelle ça, là. Ah, là, avec la cam. Ouais, mais comment on appelle ça maintenant? Face commentary, voilà. Ouais, le face commentary. Mais il y a un truc qui est sûr. Si vous attendez qu'on fasse du code comme je ne sais qui, c'est fauteu. Parce qu'on n'aime pas ce jeu, vraiment. C'est pas vraiment que j'aime pas. J'aime bien, ça me dérange pas de jouer à Call of Duty ou Battlefield pendant, je sais pas. Ouais. Ouais, quelques fois, quoi. Mais j'ai pas envie de jouer qu'à ça. C'est grave, souvent. Ouais. Et c'est pas que c'est souvent, c'est que c'est rageant. Ouais. Faut avoir une patience de fou et... Faut se maîtriser pour pas rager devant ce jeu, quoi. T'abuses. C'est pas moi, c'est la voiture. Tu l'entends pas, elle ronronne. Ouais, donc... Non, peut-être, si, ouais. Le mettre hop assez tôt. Mais pas pour faire d'abord du face commentary, rien que pour savoir qui donne combien et qui donne qui soit qui, tu vois. On dit pas qui on est. Ouais, ouais. On montre juste... Juste avec les voix, est-ce que vous connaissez de nous, savoir qui est qui. Ouais, voilà. Et tu me laisses plus le choix. On parlera pas. Je te rejoins. Tu es mon amour. Je suis mort. Ah bon? Oui. Possible. T'as demandé si tu peux vraiment balayer les sols, s'il te plaît. Je l'ai fait. Tu te fous de moi? Non. Je suis en train de le faire. Bref. On en était où déjà? Ah bien. Ouais, je sais, j'ai pas lavé les sols. Lequel? C'est la même chose. Non. Si. Quand même méchant garçon. T'as vu ça? Oh là seule là. Maison, seule... Bah ton avis. Je sais pas, tu le fais généralement aussi dans les escaliers, c'est pour ça. Non, maison. C'est encore pire. Ouais. Maison. Appart. Voilà. On en était où? Il est pas un peu crade. Non, sur le face commentary et... Bon, enfin bref, on verra déjà tout ce qu'on fait. Là. Okay. Ouais, là, on est encore en phase alpha, on sait pas vraiment ce qu'on va faire.
puis après ça sera bêta. Phase découverte, voilà. Sûrement des tests de jeu. Là, c'est un peu foutu car il n'y a plus de jeux qui sortent récemment. Et tous les jeux ont déjà été testés, même les pires. Merci, voilà. Joueur du grenier. Ouais, bon. Il n'y a pas que lui, quoi. Tu disais les pires. Après, ça dépend ce que t'entends par un mauvais jeu. Je suis fatigué, moi. Mm-hmm. J'ai rien foutu de la journée, mais je suis fatigué. Bon, on a déjà à peu près tout ce qu'on avait à dire, non? Lâche-moi. Voilà. Je vous dis même pas. T'as dit quoi? Je roulais même pas. Bah oui, mais t'as un bus qui fait presque, je sais pas moi, 3 tonnes. Plus même. 3 tonnes. Ça fait combien? 3 tonnes, c'est une voiture. T'es fou ou quoi? Demande les youtubeurs, et un 4x4 ça pèse 3 tonnes. Je te parle d'une voiture familiale par exemple. Une voiture familiale ça peut aller jusqu'à 2 tonnes. Un bus c'est 20 tonnes je crois, plus. Mais t'abuses. T'es fou quoi? Bah la carrosserie et tout le enfin tout le bus hop 5 tonnes et puis celui qui est au volant 15 tonnes bien sûr. Bon, tu savais qu'il y a un bug, il paraît avec la tour là, la Geta ou Geta Life, Geta Life je crois, quand il y a pas de... non c'est Geta Life, je sais pas. Quand il n'y a pas de U, ça se prononce comment déjà? Geta alors. Il y a un bug avec cette tour. Quand tu es tout en haut, tu peux sauter tout en bas sans mourir, je crois. Mais bon. Ouh, le joli bug. Bon. Moi, je l'appelle GTA Live. Elle est où déjà? Parce qu'ils ont juste mis un E pour pas mettre un GTA. Bon, on va se laisser là. On a fait, on a dit ce qu'on avait à dire. Tu vas ajouter quelque chose? Boum. Ok. T'as déjà une idée de la chaîne ou on le dit? Oui, pas, bien ou... sûr, on l'a déjà créée. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je suis bête moi. Elle ouais, est créée depuis 6 mois. Donc on le dit pas pour le moment parce que de toute façon il y a rien dessus. Et ça serait un coup de pub direct alors qu'il n'y a rien. Donc on... non. Ouais bah oui. Donc de toute façon on vous expliquera comment on l'a créé, où c'est créé. On fera un petit peu du speech. Et pourquoi on l'a créé surtout. Voilà. Parce que là on a dit des trucs mais c'était de l'information. On va détailler plus tard. C'est juste pour que vous visualisiez que nous avions autre chose encore en tête. Ah par contre... Oh là, attends. Ah, ça bug à mort là, attends. Attends, ça bug genre à mort. Ah oui, ça lag. Ah là, à mort, oui. Donc tu attends juste 20 secondes, le temps que ça aille un peu mieux. Stabilise. Parle une fois pour voir. Là. Ouais, vas-y. Non, tu lagues encore, toi. Oui, mais si moi je t'entends pas laguer, c'est correct. Moi je t'entends entrecoupé. Oui, je sais. Ça doit être chez moi, il y a ma soeur sûrement qui est sur YouTube ou je ne sais quoi qui télécharge. Bref. Donc, bon, bah les lags tombent bien vu qu'on allait se laisser. Hein. Donc, à plus tout le monde. Et. Portez-vous bien. Ouais. Y a rien, y a pas de fête, donc
Je sais pas, bon Ensuite, il y a pas anniversaire. mal de jours fériés, allez-y, hein, défoulez-vous. Soyez contents, moi aussi j'ai 2 jours de férié. Je suis content, mais bon, je travaille le dimanche, qui suit? Ou alors aussi, Alors... je sais pas moi, bon anniversaire à ceux qui ont l'anniversaire dans les quelques jours là. Je sais pas. 8 ans qu'il est aussi. Hein? Et puis bonne fête à tous les. Attendez, on est quel jour? Bonne fête à tous les. Bon, je m'en bats les couilles. Ouais. Donc, bah voilà. J'ai le calendrier d'avril, bon bah tant pis, hein. Bonne fête à Bref. tous les. À plus. À la prochaine. Ciao.